Conservateur, j'aime bien avec Mecha, parce qu'on peut faire la fameuse compo des 1000 poisons. Ça pourrait être un bon titre de vidéo, ça. Non, mais c'est vrai, on peut faire la compo des 1000 poisons. Faut les réincarner, et avec Kangor, on les ramène. Le problème, c'est que la faiblesse de cette compo, ça va être les compos qui vont ramener des créas. Bon, il n'y a pas mort-vivant dans ce lobby, mais il y a Bête. Bête peut évidemment nous poser problème, ainsi que Mecha. On va passer un sacré bon moment, je vous le dis. Ça, c'est une 2-5 ou une 3-3. 2-5, c'est une bonne carte. De 5, c'est une bonne carte. 3-3, ça va, c'est comme ça. 3-3, c'est comme 2-4. En fait, ça, j'aime pas pour la simple et bonne raison que c'est un naga et que j'ai vraiment pas envie d'avoir un bibelot naga. Mais sinon, la carte est sympa. Hein. Bah ouais, ça pétarade dans les chaumières. Êtes en bonne voie. Impressionnant. Intéressant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Intéressant parce que ça, il y a quand même des trucs cool à manger. Ouais, j'aime bien l'idée. Donc je fais d'abord ça. Parce qu'en fait, je peux copier lui et avoir ça, et je peux copier lui et avoir ça. Mais en fait, les deux me vont. Voyez ? Sauf que si jamais je trouve fine bouche avant de jouer ma fine bouche... Enfin bref, jouons plus vite. Plutôt sur la 2-5, je pense. Après, je peux booster lui. Hein. Non. Là, c'est une situation où j'ai le poison qui soit 5-5 ou 2-2. C'est pas trop... Enfin, ça change pas grand-chose. J'aurais pu me faire excroquer là, quand même. Ok. Là, si j'ai un petit sort à 1, je peux peut-être up. Parce que j'ai vraiment une belle tempo. Ok. 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 J'aime pas tripler dans la 3. Je crois que je vais... Ouais, là c'est vraiment... Ça c'est sûr. La question c'est est-ce qu'on a vraiment envie de geler ? Qu'en pensez-vous, les viewers? Vous en pensez quoi, les viewers? Doit-on geler ici? Ouais, c'est un bait. T'as pas grand-chose dans la 4? Je dirais non. Cette réponse, elle est catastrophique, mon ami. Dans la 4, c'est une des meilleures tavernes, la taverne 4, pour commencer ta construction et être dans une phase de tempo.
Ah non. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. C'est pas grave hein, si on perd, ça reste là par contre, non mais je vais continuer sur lui. C'était un bait ? Pourquoi c'était un bait ? N'approchez pas de ces œufs ! Pourquoi est-ce que c'était un bait ? En plus, tu mets une petite émote d'un gars qui se marre. Donc j'imagine que t'es sûr de toi, en plus. Il me faut des arguments. T'aimes bien ma troll, là ? Ouais, ça peut donner une carte. Ça peut. Là, non, mais ça peut. Oh, phylactère, c'est pas mal. Ah, d'orification. Ouais, quoique... Ah, l'idée c'est de partir en ça. Dans cette compo, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des cartes dorées. Phylactère. En taverne 4, taverne 3. Phylactère, c'est pas exceptionnel. Hein. Après, c'est pas cher. Dorification, on s'en moque. Je sais pas, pas évident. Le livre, il me permet de up, livre. Je prends de l'argent. Après, ça, c'est pas mal. Je peux attendre un tour. Hein. Vous entendez la mer. Vous entendez la mer. Oh waouh. Wow. Je... Ça va la richesse, ça se passe bien. Ouais, non, je pense que je peux attendre un tour. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Je trouve que t'as pas eu des très bonnes cartes, c'est pour ça que j'ai dit bait. Bah Matron, ça reste une bonne carte quand même. Si t'as déjà une carte par tour, c'est pas mal. Hop, tu vois là, hop, génère un petit cri de guerre. En plus, c'est un triple. Est-ce que t'as envie de la mettre, ta petite émote qui se marre là? Hein? Un petit con, là. Ok. Alors, on va aller chercher les kangors. Ah, c'est bien en tempo, ça, quand même. Il y a un monde où on peut redouble up. Ouais, on peut. En vrai, je le fais. Hein. Je vais vers lui, non? Ouais, mais c'est un 8-8. Ouais, mais je veux garder ses loulous. Par contre, est-ce que je fais ça avant? Je pense que oui. Comme ça, je peux manger une carte plus grosse. Si je chope ça, ça ou ça. Faut juste pas choper le 1. Ok.
Gangro, c'est naze, Gangro. Secta. La somatique, c'est pas mal comme carte. Ça fait des petits sorts et tout. Gangro, c'est vraiment une carte de joueur qui est resté dans les années 2000. Ceux qui jouent Gangro écoutent Avril Lavigne, je pense. Je vais prendre la somatique. Vous avez réussi. La ville est en sécurité à présent. Un toucher d'or. Dorée. Ça va créer une carte dorée. Oh, un soigneux gladiateur. Tu vois, ma matrone, elle m'a redonné une carte. T'es deg à vous. Ne vous en veuillez pas trop. Votre adversaire télescope. Vous a fait de sale coup. Ce que j'ai le plus, c'est les nagas. Ça peut me permettre de tripler ça. C'est raté. Ça et ça, c'est bien, mais il faut... Ouais, j'aime bien ces loulous là quand même. 5-24, c'est pas mal hein, comme carte. Hein. Je sais pas. De toute façon, je peux quand même up. Hein. À moins que mon calcul soit mauvais, mais. Non, c'est bon. Hein. Ça, ça et ça. Hein. Je taunte. Lui va mettre sa plus grosse créature devant, je pense. Je taunte que lui alors. Je le garde en main. Elle est là, la matrone. Hein. Elle est là, hein. Et elle vous regarde comme ça. Ah ouais, je suis nul, moi. Vous avez réussi. La ville est en sécurité à présent. Elle est là, la matrone. Paf. Paf. Elle est là, la matrone. Hein. Elle donne pas de carte, mais elle est là. Elle fait acte de présence, elle regarde le board comme ça. Allez, allez, battez-vous! Elle est au fond, là, derrière son carton. Battez-vous! Je peux changer de pouvoir si je le souhaite. Je crois que je le souhaite. Oh, waouh! Nala. Ouais, je te dégage, toi. La lumière a quitté ces lieux. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Bon, je commence par ça, je prends l'info. Oh, wow. Destruction.
mercenaires à qui on peut se fier. Oh, cette recrue pour... Oh, je suis arrivé à faire le tour. Oh, je suis arrivé à faire le tour que j'avais envie de faire. Bon, même si j'ai un peu châté le doré là-dessus. Mais je suis arrivé à faire le tour que j'avais envie de faire. Et ça... Ça, c'est pas mal. Parce que là, il fallait que je réfléchisse à... Est-ce que je fais une transition Uran? Et ça m'a pris un peu de temps. Parce que j'avais des bons trucs pour Uran. Et je me dis, en late game, Uran sera meilleur que Nala. Sauf que... Pourquoi le sort d'armure? Bah, je pensais que j'étais à 30. Mais... Parce que Uran sera meilleur que Naga. Mais en même temps... En fait, la carte qui m'aurait fait partir sur Uran, c'est le celui qui donne +1/+1, parce que j'avais des petites gemmes. Voilà. Mais là, on est bien. Lui, il peut prendre Boubou Divin, Amalgame aussi. Faudrait juste trouver une autre Nala. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Ok. Ah, j'aurais pu faire ça avant, ouais. Amalgame. Jara. C'est pas évident, hein. Je virais un Jara, je crois. Lui va être boosté à fond par eux. C'est un peu complexe. Faut quand même que je joue vite parce que... Bah, faut que je joue plus que vite en fait. Mais... Ouais, je parle trop. Désolé. Hein. Je parle trop, faut que j'arrête de vouloir expliquer tout comme ça là. Désolé, excusez-moi. Alors à vous, ça vous fait du bien, hein, mais là ça fait du mal à mon gameplay là. Tu devrais faire un tour et expliquer à la fin. Non, parce qu'il y a trop d'éléments qui se passent pendant le tour. Et ça vous permettrait pas de comprendre le tour. Non, faut que j'accepte de pas expliquer certaines choses, je crois. Et que je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être comprises sans... Ça fait ta radette partout à la fin. Ça. Ça. Ne refuse jamais de l'aide. Ça. En plus, il peut virer maintenant. C'est un plaisir de faire. Ok, on va garder ce setup. Après. L'idée, c'est quand même d'essayer de choper le. Un autre loulou, quoi. Ouais, on va pouvoir changer de pouvoir, je pense. Ça, c'est super. Une action qui rapporte. Ça
cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Je ne fais qu'un avec les épines. Ok, ah, c'est pas mal quand même. On a pas fini de chanter. Ok, ok. Mais là, vous voyez, j'ai pas du tout parlé. Si je parle, hop, j'ai une main pleine de sorts. C'est vraiment pas évident. Hein. Avec le buddy, t'avais sort, t'avais un sort quasi illimité. Le buddy marche avec les sorts? Le buddy Milous, c'est ça? Ça, ça dégage. C'est pas mal. La lumière a quitté. Vous entendez la mer? Je l'ai fait tantôt, ok. Ah, je ne savais pas. Vous voyez, dans ma tête, Milous, c'était forcément une créature. Mais, ah oui, t'achètes un sort à 1, t'as tout le temps sort à 1. Ouais, après, il y a les animations. Non, en vrai, c'est pas mal, mais l'idée, c'est quand même d'aller chercher Nala, non? Là, maintenant, j'ai la Nala, donc ça peut être sympa. Mais encore, oui. Je pense que c'était ok, mais peut-être pas si fort que ça. Ah, je suis au T12, c'est vrai. Dans ma tête, j'étais déjà tour 18. Ah ouais, mais là, je mets des tartines, hein. Je fais quand même une game d'exception là. Invaincu d'ailleurs, non? Enfin, j'ai peut-être perdu au début. Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Oui. Merde, reste là toi. Cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. J'ai une main pleine avec ça, non? Ne refuse jamais de l'air, aussi petite soit-elle. Destruction! Destruction! Vous entendez la mer?
facile, dites-moi. Ouais, il faisait pas confiance non plus. Ce serviteur, c'est un habitué. L'or est à vous! N'allez pas le dépenser en une seule fois. Si je fais pas top 1, c'est vraiment qu'il y a un gars dans la game hein, qui a fait la game du siècle. Parce que là... C'est de la PM, hein. C'est de la PM sort. C'est la vraie compo Nala. L'authentique, l'unique compo Nala. Que avec Nala. Si on fait top 1, c'est une game plein d'espoir. Hein. Pour ceux qui... dont moi, je fais partie, qui pensent que Nala, ça peut pas faire top 1. Si j'arrive à faire top 1 avec des joueurs de ce niveau-là, ce serait magnifique. Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. La lumière a quitté ses lieux. La lumière a quitté ses lieux. En fait, ça sert à rien, ça. Ouf. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Serviteur, c'est un habitué. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Vous avez la pioche facile, dites-moi. En fait, lui, ça me dérange pas qu'il ait le taunt parce que la Malkalin, il est protégé des sorcières ronces. Si ça tape sorcière ronce, vous voyez, il a quand même le... Enfin, quoique ça change pas grand-chose, mais je... Au moins, il a son poison, quoi. Merci, Mucur. Mucur de 67. T'es alsacien ? Merci pour ton prime. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci de ton aide. Ok, Doc, qui ? Ah, c'est bien ça avec les énormes. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Pioche facile, dites-moi. Ça, je le prends sur le dernier combat. Ouais. Je vais lire Leroy, je suis un peu foufou, mais... Un ajout de qualité. Thank you.
réussi. La ville est en sécurité. J'ai pas trouvé de... Bam ! Magnifique. Je peux gagner, hein. C'est ça qui est totalement dingue. C'est lui en fait qui pose problème. Bon, lui j'ai Furie des Vents donc je peux taper dans la sorcière once. Oui mais il va pas mourir. Ah si, ah non, il est 1. Il meurt pas. Oh, il va s'en sortir, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Ce diable. Ça. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. C'est du long terrain, c'est du long terrain, c'est bonne santé, bonne centaine. Vous avez réussi. La ville est en sécurité à présent. Ah là 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 là. 50-50. Allez, c'est une belle partie, hein. C'est très agréable, hein, les parties comme ça. Je préfère regagner, mais... Ce qui est bien, c'est qu'il value, mais... Mes gars... Let's go! Game incroyable! On finit avec des fanfarons d'argent. Fanfarons d'argent, quoi. Ils ont été là. Le fanfaron, il a touché le sol et il a permis de gagner.